Alors, la séance est enregistrée. Alors, comme j'ai dit, on va essayer, je vais vous donner à la fin de la séance GoBox pour l'installer. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Et tout au long de le cours d'un an, on va avoir des exercices pratiques, des travaux, des quiz. Je vous donne des travaux à faire et sans noter, bien sûr. Et à la fin, on aura un examen final. D'accord? Alors, je compte beaucoup sur les projets que je vais donner. Je vais donner des exercices à faire, bien sûr, de façon sur un document texte, un fichier texte Word ou n'importe quel éditeur de texte, plus l'algorithme qui sera fait sur AlgoBox et exécuté par AlgoBox. OK? Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez appris pendant la session qui est passée. J'ai déjà parlé avec le délégué, votre délégué. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me dire qu'est-ce que vous avez appris dans la session passée, Introduction à l'informatique, S1. Allez-y, il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que vous avez appris. Allez-y. Monsieur, on a appris comment les conservations ou bien les conversions des nombres ou bien des bases d'une autre base, les bases qui existent dans l'informatique. Alors, on a étudié seulement quatre, la base binaire, l'octal, décimale et l'hexadécimale. Les opérations sur les bases et les systèmes informatiques, ça veut dire. Les Réseau informatique. voilà les réseaux. Oui, vous avez vu les réseaux, oui. On a vu Vous presque pouvez ces encore? NA1. Et on a vu le système de numération, les opérations ainsi que les opérations, les systèmes de numération, la conversion binaire vers les autres bases et les opérations. Bien. Alors, on va commencer. Yalla, bismillah. Et les Alors, les appareils dans systèmes de traitement l'ordinateur. d'informations. Les appareils, ah, on va les voir. On va les revoir rapidement. Rapidement, on va les revoir avant de passer. Parce que cette première partie, il y aura un quiz à la fin. Je vais vous donner un quiz. Vous allez le faire pour la semaine prochaine. Enfin, vous allez préparer. Je vais vous donner le cours. Vous allez lire le cours et vous allez vous préparer pour la semaine prochaine. Une fois, on va commencer, Inch'Allah, la séance prochaine. On va commencer par un petit quiz sur ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. Oui, D'accord, monsieur. Hakim Hassan, il est là. Hakim Hassan, délégué. Il n'est pas là. Ok, alors, on va voir dans cette Je première suis partie. là. Il est là? Ok, c'est bon. Oui, monsieur. Alors, René, on va commencer par les systèmes de traitement d'informations, liste des principaux composants d'un ordinateur, le rôle d'ordinateur et schéma d'architecture Monsieur, d'un ordinateur. monsieur, Oui. Oui. vous pouvez nous poser le document de cours dans le plateforme, la plateforme. Oui, je vais le mettre dans la plateforme, oui. D'accord. D'accord, à la fin, juste Hakima, vous me rappelez, OK? Hakim, Hasna, vous me rappelez de mettre les slides du cours dans la plateforme. Ça fait Hasna. D'accord. Alors, quand on dit un système de traitement des informations, alors un système de traitement des informations, c'est très important. Il faut comprendre un système de traitement des informations avant d'aller à l'algorithme. Heureusement que vous avez fait le premier cours, ça va nous aider beaucoup, la partie des algorithmes. Alors, un système de traitement des informations peut être défini comme un ensemble de circuits électroniques permettant de traiter des informations, des données. Est-ce qu'il y a une donnée?
aucune information. Une donnée, elle est bas 15, 30 Celsius, 40 ans, ce sont des données. Ce sont des données brutes. Mais une information, la différence entre une donnée et une information, l'information, il y a une donnée qui a du sens. Il y a un sens. Mais quand vous dites 80 ans, alors 80 ans, c'est une donnée. Ou les chimiques en Goulou 80 ans, la personne Léanda, 80 ans, c'est une personne âgée, c'est une vieille personne, c'est-à-dire c'est une information. Mais quand on dit 2 mois, un bébé Léanda, 2 mois, c'est-à-dire qu'en Goulou, c'est un nourrisson, c'est un bébé. Alors c'est une information. Alors information, c'est une donnée qui a du sens. Alors c'est bon pour faire la différence entre une donnée et une information. Une information, c'est une donnée qui a du sens. Alors il est capable de faire tourner des programmes. C'est-à-dire une suite ou séquence d'instructions programmées à l'avance et qui va dérouler au début, enfin, dans le but d'obtenir des résultats. Et donc, le système d'information. Quand on a des données, on a des résultats pour obtenir un résultat à la fin. Quand on a des données, DL, la personne, IMTA, Mathelen, Z, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va donner son âge. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un traitement. Il va faire la date actuelle, date d'Yeliouma, moins date de naissance, il va nous donner son âge. C'est un traitement simple, un traitement d'information, à travers des données. On lui a donné des données, où il va donner un résultat. Il y a son âge. On appelle l'âge, on appelle la date de naissance, où il va nous fournir l'âge. Alors, les couches de l'ordinateur. Les couches d'un ordinateur, de façon générale, on ne va pas entrer dans le détail parce que le cours d'IANA, l'algorithmique, on arrive pour avoir une idée générale. Alors, un système de traitement d'information peut être représenté selon un modèle de 2 couches. Et là, quand tu as le réseau, je te dis que la couche de l'OZIAC, je te vois. Oui, monsieur. Voilà. Alors, les couches de l'un ordinateur, généralement, pour ne pas être entré dans le détail, il y a 2 couches. La couche matérielle, il y a le hardware en anglais, et couche logicielle, il y a software. Alors, software, il est situé il y a Hedi. Logiciel. Je fais les applications, vous faites le système d'exploitation. Je vais donner un exemple de système d'exploitation. Windows, Linux. Bravo. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple de l'application? Word. Word, parfait. Alors, il y a une des applications, plusieurs applications, n'importe quelle application, qui s'installe au-dessus d'un système d'exploitation. Est-ce qu'on peut installer une application sans un système d'exploitation? Je vous. Non, impossible. Alors, il faut toujours un système d'exploitation pour installer les applications. Et si vous avez remarqué qu'on a plusieurs types d'applications, il y a des applications, quand on veut installer une application sur Internet, vous la téléchargez, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver pour quel système d'exploitation vous voulez télécharger l'application. Alors, une fois en téléchargement, s'il est conçu pour être installé sur un Windows, il ne peut pas être installé sur Unix ou là sur un Mac. D'accord? Alors, on va trouver 3 applications, une pour Windows, une pour Unix, une pour Mac. Alors, il y en a des applications qu'on peut les trouver que sur Windows, par exemple, qui est développée pour Windows, ou là pour Unix. OK, une couche hardware liée à le matériel. Alors, est-ce qu'on a un exemple matériel? La carte. L'ordinateur. Ou l'ordinateur. Pas la carte. La carte mémoire. Le hardware, quand on dit hardware, c'est l'ordinateur de façon générale. Le matériel hardware, il va être décomposé en plusieurs éléments, mais bien sûr, la carte mère. Bravo, Mzien. Alors, la couche logicielle. Il se compose de
les applications de programmes dédiées au système, les logiciels de bureautique comme Magento Word, les applications métiers, mais quand vous l'application métier de gestion par exemple, RH, production, vente, Wesh, Word, c'est une application métier. Est-ce que Non. Word, c'est une application métier? Non, pas Word, c'est quoi Word? C'est un De bureautique. logiciel. Exactement. C'est un logiciel de bureautique. Mais quand on dit application métier, ça veut dire qu'elle concerne le métier. Si par exemple un supermarché, par exemple, si on prend Margène par exemple, avec la caisse, une application qui a enregistré les ventes. C'est une application dédiée les ventes. Alors, c'est une application métier. Vous faites enregistrer les ventes qui ont été effectuées pendant, par exemple, une journée. Alors, c'est une application métier de vente. N'est-ce qu'il y a de la production? Alors, une usine qui produit des produits. Alors, chaque fois qu'ils produisent des produits, ils vont enregistrer l'application et l'application va leur aider à produire des éléments. Alors, c'est une application de production et métier. RH, c'est ressources humaines. Alors, quand on fait une société, les employés, alors il va faire une application de ressources humaines qui va enregistrer les employés ou en relation à la paie pour les payer, à la gestion des absences. Par exemple, il s'est habitué, il s'est absenté, fait à la gestion de l'école et ainsi de suite. Alors, ce sont des applications métiers. Adkin, des logiciels de base de données. Je veux dire des applications de logiciels de base de données. Access. Qui peut me. Access, oui. Qui connaît d'autres? MySQL. Exactement. Alors, ils sont là. MySQL, Oracle, Access. SQL Server. MySQL, SQL Server. Bravo. Alors, MySQL, c'est open source, c'est gratuit. Oracle, c'est très très cher, c'est payé. Access, ça vient avec la suite bureautique de Microsoft Office. D'accord, on est d'accord. Alors, qu'il y a des applications qui sont open source, gratuites, ou qu'il y a qui sont propriétaires, payantes. Alors, quand c'est des exemples de logiciels d'application, ou qu'il y a des programmes système, quant à eux, ce sont des logiciels qui se placent. Il y a des mails qui se placent. Et après, tu vas regarder. Regardez, Naya. Après, tu l'as dit. Il se place entre l'application et le matériel. Moi qui assure la communication matérielle ou les applications. D'accord? Alors, non. Les autres logiciels, traitement principal, demande d'accès au matériel, logiciel, les systèmes d'exploitation, comme vous avez dit, Windows, Linux, Linux, c'est une partie graphique de Linux, ok, le Mac. Alors, là, imaginez, d'abord, on va aller à la couche matérielle, hardware. Alors, la couche matérielle, elle porte l'ensemble des composants, la RAM ou la carte mère, et ainsi de suite, on va les voir, électronique nécessaire au fonctionnement de la machine et à l'exécution effective des programmes. Alors, il a un nehadi, ou un nehadi, ou un nehadi. Est-ce qu'on peut exécuter cela? Non. Non. Alors, on va avoir le matériel. D'accord? Alors, il est composé d'un processeur, d'une mémoire et d'un ensemble de périphériques. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, un chauffe-eau a de l'architecture d'Yel von Neumann. Je dois de l'architecture à dire. Non, monsieur. Est-ce que vous avez vu de l'architecture? Non, monsieur. Monsieur. Non, monsieur. Alors, de l'architecture. Non, monsieur. Quiz. Elle est importante. Alors, Ed von Neumann, c'est une personne. C'est une personne. Où est l'idée de l'architecture? Où est-ce qu'il a proposé l'architecture? Alors, il a défini en 1944. Regardez, c'est très ancien. 1944.
L'architecture des ordinateurs encore largement utilisée aujourd'hui. L'architecture, elle est utilisée aujourd'hui. Alors, il décompose, l'architecture décompose l'ordinateur en quatre éléments. Alors, généralement, à deux mots, les éléments, les ordinateurs. Alors, on a unité arithmétique et logique, UAL. Alors, c'est quoi son rôle? Alors, ADO est le composant de l'ordinateur qui exécute les calculs, à savoir les additions, soustractions, divisions, modulo. C'est quoi le modulo? Le reste de la vie. Congruence. Congruence. Le reste d'une division. D'accord? C'est le reste d'une division. Alors, gestion des lessives, positif, négatif. Et aussi, il gère les opérations logiques. C'est-à-dire vrai ou supérieur ou inférieur, et ainsi de suite. D'accord? Oui, monsieur. Il est fait bien sûr par le processeur. Il est fait par le processeur. Oui, on trouve le deuxième élément. C'est le partage. Attendez. Toujours, il n'y a pas de partage. Pas encore, monsieur. Pas encore, monsieur. Qui t'arrête à partager pour rien. Non, partager. Écran entier. Alors. J'avais dit. C'est bon. Alors, le deuxième élément, c'est quoi? Allô? Unité de contrôle. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, le deuxième élément, c'est quoi? Unité de contrôle. Exactement, l'unité de contrôle. Alors, l'unité de contrôle, c'est quoi? Son rôle. Alors, elle contrôle, c'est l'UC. Rappelez, UAL, UC. Alors, vous aurez ça dans le quiz la prochaine semaine. Alors, USC, c'est quoi? C'est unité de contrôle. Il contrôle le séquençage des opérations. Alors, on a des séquences, des opérations. Wahda tiba wahda. Qui séquencement des opérations. Il doit respecter avec le séquencement, avec l'ordre des opérations là-dedans. Autrement dit, le déroulement du programme. Alors, il prend ses instructions dans la mémoire et donne les ordres à l'UAL. Hadi, il donne les ordres Hadi pour effectuer les calculs. Alors les résultats retournés peuvent influer sur le séquençage. L'UC, c'est-à-dire l'unité de contrôle, passe alors à l'instruction suivante ou à une autre instruction telle que le programme lui ordonne d'effectuer. Alors qu'il y a un séquençage, que ce soit des opérations matérielles, il va donner l'ordre l'UAL pour effectuer le calcul. كترجع ليها لو ريزولتا من بعد اترافير هذاك لو ريزولتا il va décider est-ce qu'il va aller la séquence ou la une autre séquence على حسب le programme qu'on a. Est-ce que c'est clair à la partie A?
Oui, monsieur. Celui qui ne comprend pas quelque chose, il peut intervenir, hein? Tout le monde peut intervenir. Le troisième élément, c'est quoi le troisième élément? Mémoire. Mémoire. Exactement, Mémoire. mémoire. Exactement. Donc, je vais changer de la couleur, mais je vais être. C'est bon. Alors, mémoire. Mémoire, tout le monde connaît le mémoire, alors qu'il peut être décrite comme une suite de petites cases numérotées, chaque case pouvant contenir une petite information, petite dans ou la taille de chaque case est fixe, bien sûr. Alors, cette information peut être une instruction ou un morceau d'instruction de programme. Une suite peut occuper plusieurs cases, ah, d'accord? Ou une donnée, un nombre, caractère ou morceau de ceci. Alors, mémoire fait à les données d'IEN qui vont être utilisées par l'UAL ou l'UET. Alors, qu'il y a maintenant le quatrième élément, le dernier élément, c'est les entrées-sorties. Alors, input-output en anglais. Alors, les entrées-sorties permettent quoi? Elles permettent de communiquer avec le monde extérieur et donc vous ou les nouveaux. Ce peut être un clavier pour entrer les données, un écran pour afficher les résultats. Il permet à l'ordinateur d'être interactif. Ce qui peut me donner d'autres éléments, d'autres exemples d'entrées-sorties, à part le So, clavier. imprimante, Imprimante. Sure. un clé USB, Imprimante, une un clé. clé USB. Exactement, oui. Voilà. Parfait, bien. Parfait. Bravo. Alors, c'est quoi ça? Qui peut me dire c'est quoi ça? C'est l'ordinateur, machine. Le premier ordinateur. Je pense que Exactement ça. l'unité centrale, elle... Voilà. Exactement, c'est le premier ordinateur. Alors, regardez combien il pesait. Il pesait combien? 30 tonnes. Alors, vous imaginez combien 30 tonnes? La surface, il occupait combien de la surface? 167. شكون يعطيني هاد 167 يعطيني اكزامبل ديال شي حاجه باغ اكزامبل شنو هي 167 قداش هاد 167 أنفي. انفي وي برافو انفي Je صغير pense que كبر من لونتي. بحال الامثال دو تيدي لا بحال الامثال دو تيدي بحال النص ديال التيران ديال الباسكت باغ اكزامبل سال دو تيدي سال دو تيدي با ان انفي سال دو تيدي Alors, imaginons faire la salle de, comme une salle, un ordinateur comme une salle de TD où il pèse 30 tonnes. Alors, il faisait 5000 additions par seconde. Et maintenant, regardez les ordinateurs d'aujourd'hui. C'est presque tout virtuel. En 2020, c'est tout virtuel. C'est des ordinateurs qui occupent, qui même pas. 500 grammes, c'est-à-dire 9 kilos, même pas, et c'est très très petit. Alors, numéro 1, c'est quoi numéro 1? Carte mère. Bravo. Numéro 2, Processeur. Processeur. Alors, je veux que les autres participent aussi. Hein. Trois. C'est quoi trois? UC. Quatre. RAM. Barrette de mémoire. Exactement. Cinq. Carte graphique. Carte graphique. Exactement. Six. Branche USB. Périphérique. Entrée et sortie. Périphérique. Oui, exactement. Exactement. On est rendu. Sept. C'est quoi sept? Lecteur CD. Lecteur CD, voilà. Disque dur. Disquette ou bien disque dur. Disque dur. C'est un disque ben, dur. Disque dur. Oui. Oui, c'est Lecteur lecteur CD, c'est le CD. 8. 9, c'est quoi? Boîte d'alimentation. Alimentation. Exactement.
Alors, 10. Textuellement, on Écran. connaît 10. Clavier ou 11. souris? Clavier. Clavier. Exact. Souris. Bravo, bravo, bravo. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ou là, qui ne connaît pas les éléments? Bravo, mais Monsieur, bien sûr. une question. Oui. Monsieur, je crois qu'il y a dit que UC, unité de contrôle. Trois. Le Il trois. y a trois. Elle a l'unité de contrôle K9 process. Oui. L'unité de contrôle, l'UAL, les deux K9 process, d'après process. Oui, monsieur, c'est compris. Un chauffe-eau, un chauffe-eau. Alors, voilà la carte mère. La carte mère. C'est une carte mère qui est sophistiquée. Alors, elle est un peu comme l'ossature de l'EPES. C'est l'élément principal, l'élément important de l'EPES. Alors, c'est elle qui va accueillir tous les composants. C'est après une configuration. Et les faire communiquer entre elles. Le rôle d'ELA, c'est de faire communiquer les composants entre eux. C'est bon? Oui, Est-ce que c'est monsieur. clair? Oui, monsieur. Alors, le process. Voilà le process. Dire, c'est quoi la différence entre le process et le process? Et c'est quoi le rôle du process? AMD et Intel. Exactement. Voilà le rôle du process. Monsieur, c'est comme le cœur Partager des de informations. la carte mère. Non, c'est pas partager des informations. Monsieur, le traitement des On l'a dit. Processer les informations. Monsieur, Faire des calculs. Fais l'UAL Faire des ou calculs l'USI? 0011. Exactement. Alors, fais l'UAL ou fais l'USI? Il y a là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Il n'y a pas de partage d'informations. Enfin, il y a à l'intérieur, lui, il reçoit. Tout d'abord, on a l'UC, il envoie l'UAL des commandes, l'UAL lui répond, et après, il y a un séquencement des opérations qui vont être exécutées selon l'ordre qui est donné par le programmeur ou par l'algorithme qu'on va définir plus tard. Alors, le processeur, c'est le cerveau. D'accord, l'ordinateur. C'est lui qui, grâce à sa puissance et ses capacités. Est-ce qu'il y a un process? Parce que ce n'est pas la capacité. Oui, il permet de passer à travailler. Alors, il existe deux fabricants, comme il a dit votre collègue, qui est une AMD. Voilà, d'avoir AMD. D'accord. Ok, une Intel. Regardez, je la différence. Alors, qu'il y a un process avec pin. Je n'ai pas les pins. Les pins, الحلبة exactement. Hal-shoukat, exactement. Ok, sans pin. Alors, regardez le process. Il y a pas de pin. Alors, on a un petit peu le chauffe-eau. Est-ce que nous pouvons dire l'UAL, on a dit tout à l'heure, c'est lui qui comprend, tient l'UAL ou l'UC. L'UAL, je ne peux que dire, elle exécute les opérations arithmétiques, les omachna omahedo, c'est l'addition, soustraction, L'addition, la multiplication, division. soustraction. Ogna, elle exécute les opérations logiques. Les machines Oumaya est égal ou Supérieur, supérieur et inférieur. inférieur. D'accord, on est d'accord. Jusqu'à maintenant, c'est clair. Oui. Oui. Yek. On trouve. Monsieur. Ça coupe Monsieur un le peu, Yek. professeur, c'est un oui. Ça coupe un peu. On va partager avec vous.
C'est bon? Oui, monsieur. Alors, d'abord, on a vu l'UAL. D'abord, l'unité de contrôle. Alors, l'unité de contrôle, qu'est-ce qu'elle fait? Traitement. Le traitement, il coordonne les traitements. Il ne fait pas le traitement. Il coordonne les traitements. Un traitement. Un ensemble. Coupez le son, coupez le son. Alors, un ensemble d'opérations qui sont séquencées. Vous voyez, il coordonne les traitements. Le traitement, il est fait par l'UAL. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Alors, si vous avez compris, je voulais qu'il y ait un flacre. Wesh, l'UAL. UAL. L'UAL, vous voulez qu'il y ait un flacre? Non, l'UC. Monsieur, c'est le corps mondial de traitement liquide de l'AHR. Je voulais qu'il y ait un flacre. Je voulais qu'il y ait un flacre. UAL. UAL. L'UC. L'UAL, خدام عند لوسي. L'UAL, هو اللي خدام عند لوسي, صافي. D'accord, لوسي كيقول لوال شنو يدير. لوال كيدير التريتمون كيرد ليه لانفورماسيون, كيقول ليه حسب ليه 10 زائد 10. كيحسبه كيرد ليه 20. هذا هو لو رول ديالو, سي بون. هو لوسي كيشد لك 20 وكيشوف شنو غايدير بها, واش يبغى كونتينيي, واش يبغى لافيشي لوتيزاتور يشوف 20 ولا يبغى لا ajouter une autre variable واحد اخرى عاوتاني واحد 20 واحد اخرى عاوتاني باش يعطيك 40 يعني سيدي سويت بحال دابا قال لي لو ال فوالا 10 بلس 10 قال لي 20 il va stocker en mémoire قال لي عاوتاني من بعد 15 بلس 15 قال لي 30 او عنده 20 بلس 30 après يقول لي عاوتاني يلا كالكولي دابا 20 بلس 30 عاد من بعد il va afficher l'utilisateur 50 d'accord. Alors, c'est le CWILLY qui coordonne le traitement des informations, l'algorithme, le programme. On va travailler étape par étape. Alors, la RAM. La RAM, le but de la RAM, c'est quoi? C'est de stocker les informations de l'ordinateur de façon temporaire. Il y a comme ça, Frein? Oui. Oui, monsieur. C'est de la RAM. يلا شنو كدير لا رام؟ لا فيتيس. اوكي ماشي لا فيتيس, لا فيتيس مو لي كاركتيرستيك ديالها سي لا فيتيس, مي نو سي لو رول ديالها كيس كيل فيه, شنو هو لو رول ديال لا رام؟ توكي لي زانفورماسيون طوكوان. اكزاكتومون برافو. الوغ هي في الاصل سميتها لا ميموار فيف. هذا هو الاصل ديالها داكوغ. نعم هي باريت ميموار, هي باريت ميموار, هي باريت ميموار, ولكن باريت ميموار هي فيها الرام وهي لا ميموار فيف. متفقين؟ وي. الوغ باش نتفاهموا مزيان, الوغ هما كيقولوا لها غير بوغ لا ليجي, غير بالديالوج ديالنا رجعناها سميناها لارام باش ما نقولش نقولوا ميموار فيف. لارام سي راندوم اكسس ميموري. الوغ ار ا ام سي راندوم اكسس ميموري. الوغ اوليو باش نقولوا ميموار فيف ميموار فيف, ديك نقولوا احنا لارام بو سامبليفي بو متفقين. الوغ دابا من بعد كيس كي سي باسي و افيك لو طون بداو كيبانو في 2000 واحد لو تيب ديال لي ميموار ديال لارام دي دي ار. شنو دي دي ار؟ شنو نقدر نقول شنو دي دي ار؟ مسيو كيختلفوا استاذ في هذوك لي بين اللي كاينين لتحت, اللي كاينين لتحت هاد دي دي ار 3 ماشي هي دي دي ار مثلا 2 ولا 4, حيت الا خشيتي مثلا دي دي ار دي دي ار 2 في هذيك في البلاصه ديال دي دي ار 3 ما غاديش تدخل. هادشي اللي عارفه استاذ. اكزاكتلي هادوك السناب. انت الوغ قلنا هما
sont apparus à partir de 2000. La DDR, 2000. La DDR, c'est double data rate. Fait un circuit intégré. C'est-à-dire qu'il est très, très rapide par rapport aux barrettes de mémoire les connexions avant 2000. Prenne. Oui. Au départ, au dernièrement, en fait, je pense 2021, 20 DDR5. La DDR5, fait l'avantage kibir, ou fait la bande passante doublée. Elle a double deal le DDR les canaux. J'ai dit le principe, je dis par rapport aux autres. Elle est très très rapide. Ou la consommation de l'électricité, elle est plus optimisée. Ça freine. Ou la fréquence oui. Est à l'air. C'est la fréquence de la taille par rapport à DDR l'Ochrin. Alors, à DDR sont des conseils que je vais vous donner. En général, les trois rappels, puisque tu m'as informé qu'il est sous le comme chez Wahed, parce que tu connais en mesure de répondre ou de le conseiller, il est comme maintenant, il y a une barre de mémoire. Il y a un DPC ou il y a une barre de mémoire. اشنو غناخذ واش مثلا ناخذ باريت ديال 8 جيجا ديال 4 جيجا ولا باريت ديال 4 ولا باريت ديال 8 8 شنو هي احسن حاجه 8 8 مسيو 8 8 غتمشي خفيفه 8 8 غير ولي بيس فوالا اولا 4 4 4 4 اولا 4 4 وي il faut toujours choisir deux مسيو حتى الا درنا 4 8 غادي تجي مزيانه ماشي Non, de préférence, c'est que nous. Non, non. Regardez, je l'ai écrit. Regardez, c'est la souris, moi je vois ça. Regardez, alors il faut toujours aller la même capacité deux fois 2 dial 4 ou la 2 dial 8 ou la 2 dial 16 et ainsi de suite. Vous avez Monsieur, excusez-moi, il y a une unité centrale de la faire un 4-4-4-2. On ne va pas dire les ports, de la faire 4-4-4-2. Normalement, de préférence, de mieux dire 4-2 au lieu de 2. D'accord? D'accord. Adhérer pas à la mesure de conseil, mais que tant que ça fait, ce n'est pas grave. Mais si tu as le choix entre d'acheter. Le will, tu achètes 2 DL4 ou la 2 DL2 par exemple, d'accord? Oui. En plus, qu'il y a la fréquence, il y a un des cas de barrettes DL2. Même par exemple, il y a deux barrettes ou il y a 1800 MHz la fréquence DL1 ou il y a 2000. اش كيوقع كيتجمعوا كتمشي ب 1800 اكزاكتومون برافو كيمشيو ب 1800 تافقين الوغ دو بريفيرونس دابا بحال لا غير داك اللي شري ديال 2000 غير ضيعتي في هذيك 200 زايده صافي غتمشي هي ب 1800 الوغ فو فار اتونسيون حتى لا كارت ديالكم Et si vous avez une carte mère, elle est à la fréquence, maintenant, vous avez utilisé la DDR5, ou la fréquence, elle est à la gérer la DDR5. C'est-à-dire, elle va l'acheter pour rien. Alors, il faut que l'ensemble des composants radie d'une façon. La fréquence, tu as. Tu as des cartes mères, DMA, ou utilise DDR5, par exemple. Tu vas juste perdre. D'accord? Ou de préférence, regardez dans la dernière partie, tu comptes la même marque. Alors, tu vas utiliser la barre de mémoire. Parce que d'abord, tu m'as été informaticien. Alors, tu vas utiliser la même fréquence, la même capacité, ou la même marque. Mais tu vas utiliser la même marque. Ça fait d'accord? D'accord. D'accord, monsieur. Oui, ce sont des conseils pour tu m'as tu voulais
الا سولكم شي واحد تعرفوا تجاوبوه. و سي فو فو فولي اشتي عاوتاني ان اورديناتور مونت ان اورديناتور سوري ان ميزور دو ريبوندر. الوغ ندوزو للديسك دور سيل فو بلاي. شنو هما الديسك دور؟ نعم انا عندي اس دي ار. واش هاد الاس دي ار كانت قبل من الدي دي ار؟ اه داكور ميرسي. Monsieur, une question, s'il vous plaît. Oui. Le rôle du DDR5. DDR5? Le rôle du... Ah oui, je n'ai pas le rôle du... C'est la RAM. C'est la RAM. C'est la RAM, Nid? C'est type de la RAM. D'accord, monsieur. Merci. Je m'agale votre collègue SDR, TDR. Monsieur, le partage est désactivé. Ah, vous tenez. Monsieur, le partage. C'est bon. Alors, il y a une question. قالت لك شنو هو لو رول ديال دي دي ار. الوغ قلنا لو رول كاين راه سي با دي دي ار سي با ان ولا سي نورم تابقين راه سي نورم ديال ميموار تابقين بحال تقولي ما عرفتش واش ديال لا بحال تقولي مرسيدس انفان سي مرسيدس مرسيدس سي مارك Enfin, c'est une voiture, là, ce sont des voitures. Tu as pris? Ou comme ils disent, BM ou la Renault ou la Mercedes, ce sont des marques. Tu as pris? Alors qu'il y a des barrettes, ou des barrettes, elles donnent des normes. Tu as pris? Oui, est-ce que c'est clair normal, pour la question qui est. Ce sont des normes. Ce sont des normes. Là, c'est une norme. Ce n'est pas une version, ce sont des normes. Elle respecte certaines normes. Tu as pris? Oui. Tu as pris? Monsieur. Oui, monsieur. Et alors, on continue d'abord. D'abord, le disque dur. Je n'ai pas de disque au Kénin. SSD et DDR. SSD et HDD. Exactement. Ah, on Alors. Les disques durs. Alors, SSD, c'est ce qu'on a fait, nous, pour ce qu'on a fait. Alors, c'est un composant essentiel de votre configuration. Le disque va permettre l'installation de votre système, mais également le stock de vos données. Alors, il existe là encore pas mal de marques, de modèles, bien sûr, qui observent bien les marques. Exactement. Alors, disque dur mécanique. C'est un disque dur mécanique. Ou HDD, ou HDD. تابعين هذا دابا كيكون في لي زونيتي سنترال بزاف بيان سور حيت قديم حتى هذا نلقاو سي اس اس دي او بارابور اش دي دي كيفاش كومون وي ريبيتي سي اس اس دي اي نوفو بارابور اش دي دي اكزاكتومون وي وي بارفي وي توتاف الوغ les deux, ben je les avantages. Alors, c'est HDD, c'est mécanique, c'est très mécanique. Elle est très mécanique. On va voir une photo d'Yelon. Regardez, si on l'ouvre, il y a le plateau, il y a la tête, il y a le disque, il y a le disque, et ainsi de suite. Pour l'ouvrir, alors, il faut des conditions, que tu aies la chambre fermée, que tu aies le robot, parce qu'il y a des cas, les banques ou là, des organismes qui ont des données très très sensibles, très critiques, et ont perdu les données d'Yalom. Alors, avec les disques durs d'Yalom, pour les ouvrir, alors, il les ouvre dans des conditions très très spécifiques, où ça coûte très cher. Alors, je me rappelle, dans ma quand j'étais au ministère des Finances,
quand un disque dur est tombé en panne comme fil de données confidentielles, ça a demandé à chaque million, non, est-ce qu'on peut les récupérer, oui ou non. Alors ça coûte très très cher. Le problème qu'on chauffe, même le problème qu'on chauffe, il ne doit pas exister parce que la chambre qui a fait les disques durs. Tu apprends? Alors, Ada, c'est le une disque Ada? HDD. Ok, un SSD, Solid State Drive. Alors, qu'est-ce que c'est SSD? Tu n'as pas un exemple? Qu'est-ce que c'est SSD? C'est PC portable. Il a quand même été fait PC de bureau. Monsieur PC de bureau, on va récupérer mon bzeuf les HDD. Là, quel SSD PC de bureau? Ok, quel est mon joli? Voilà. Alors, وقال لك شنو هو اس اس دي اش تقول لي ان ديسك دير بلو رابيد بور اكزيكوت لي بروغرام لا عطيني شي ديك احسن يلا كون عطيني ديسك دير شكون اللي ياخذ بونس يلا شكون علي يلا مسيو ديسك ستاتيك لا يلا بونس يلا مسيو سي تان ديسك نون ميكانيك بور pour stocker les données. قربتي. لا شي واحد ما كيفهم شويه يلا يلا شويه كيعرف لانفورماتيك يوتيليزي لانفورماتيك وصافي ماشي شي انفورماتيك. هذاك الديسك اللي ما فيهش هذيك الديسك اللي كدور. هو راه اصلا ما عارف ديك الديسك اللي كدور. ديسك نيميريك. ان سوبورت دو ستوكاج. سوبورت دو ستوكاج كي يوتيليزي بلوس ميموار. Monsieur, comme le moteur électrique, le moteur mécanique. Carte mémoire. Pour les cours Wi-Fi, la partie mécanique. Tu veux dire carte mémoire? Moi. Tu veux carte mémoire? Moi. Ahmed. Oui. Carte mémoire. Elle a dit carte mémoire. Elle a dit carte mémoire. Un USB. C'est comme un USB. Safi, Brahim. Brahim, Brahim. Brahim, bravo. الوغ سي فحال تقول ليه كلي اس بي كبيره ها انتم هاي شنو هي هادي شنو هي هادي كلي اس بي كلي اس بي محلوله وهذا شنو هو هذا ديسك دو هذا هو اس اس دي ها هو محلول سي لا ميم شوز ولا سي با لا ميم شوز وي مشيت على كومبريسي اكزاكتومون الوغ الا سولكم شي واحد على اس اس دي تقول لي بحال لا كلاس بي كبيره سي تو هادشي اللي كاين ما فيش داكشي ميكانيك ما فيش واحد البلاطو لداخل الوغ شنو شكون يقدر دابا الاخر اش كيقول الاخر الا طاح ولا طفيتيه هذا كيقول لك الا كان البيسي شاعل وطفيتيه ولا كان الضو مشى ليه وطفى ولا طاح ولا هذا كيخسر الضرب علاش يلا علاش حيت هذاك لو ديسك ما كيكملش الخدمه ديالو كيطرى فحال ان بيتي كور سيركوي داخل زيد يلا زيد عاونو ميكانيك فوالا ميكانيك زيد يلا كيتحل حيت اللي خسروا لي داك لي زوتي ميكانيك اللي خسروا لي ما غاديش يكمل فونكسيون مون ديالو حيت دابا الا كان الشهاده هاد لاطيط هادي بنت لكم هاد لاطيط هادي بنت لكم وي وي مسيو فحال هذاك لو ساكروفون بلاصه كتكون هنا بلاصه هنا خصها تكون هنايا ملي كتجي لهنايا كتبقى تقرا ملي كتكون كتقرا وكتطفى عليها الضو ما كتبقاش عاقله فين كانت كيف فيك يخسر الا طاح عاوتاني الوغ باغفوا كيرجع الميموار ديالو كيعرف فين كاين ولا كيرجع لبلاصتو هنايا ولكن الا مشى حتى
بقى هنايا وحلو ما عرفش يقرا كاين صافي ديك كيقول لك صافي راه الديسك ديور مشى كيقول لك الديسك ديور صافي مشى ما بقاش بغى يشعل ولا ما بقاش بغى يديماري علاش باسكو ما رجعش بلاصتو مزيان داكور هاد لاطيط هي اللي مهمه بزاف علاش كيقول لك من بعد اش دار من بعد شنو داروا من بعد داروا باش الا طاح لك ما يوقع عليه والو داروا فيه اونتي شوك داروا فيه واحد لاباراي هنايا بحال ليمو داروا فيه واحد لاباراي هنايا بحال بحال جي بي اس ملي كيتلاشى وكيهبط بواحد لافيتيس غير كيشوف راسو هو يهبط بواحد لافيتيس بحال ديك ديسيدور اكسترن اونتي شوك كتسمى ديسيدور اكسترن Non, monsieur. Ma fille, c'est sur externe. Oui. كيشد هادي كيرجع لبلاصته لقطات وكيرجع لبلاصته هنايا متفقين الوغ شنو هما لي زافونتاج ديال الاس دي اس ديالها ماشي حتى مش معرض ان فيتيس دو ليكتور اي دي كريتور برافو لا فيتيس شكون قال لا فيتيس شكون قال لا فيتيس يوسف حمد لله يوسف لا حمدي برافو حمدي برافو حمدي برافو زيد يلا زيد شنو زيد شكون يزيد يلا فيتيس دو ليكتور اي ديكريتور قالوها يلا اوتر شوز يلا 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 سيربي شنو نكملوا بزربه نعم لا طاي Monsieur, quel est le chargement qui est le plus rapide là, là. Consommation d'énergie électrique. Oui. Monsieur. Il y a avec la lecture de lecture ou l'écriture rapide, il y a la vitesse. Zid. Monsieur. Oui. Oui, Yassir, oui. Monsieur, on ne peut pas dire que le SSD est la carte mémoire de l'appareil photo. كارت ميموار هي راه كارت ميموار هي راه كارت ميموار سيغ شوب هي لي بلو بروش لك لي يو اس بي هي تري تري بروش كلي يو اس بي لو ميم ميكانيزم كتخدم عندها اكسي ديريكت ما عندهاش هذيك لاطيط اللي كتبقى تدور على لي بلاطو كتبقى غادي وكتشوف حيت داكشي اش ما كتسمع ديسك دور ملي كيكون عندك اتش دي دي كتبقى تسمع كتبقى صداع هذا اكسي ديريكت اكسي ميموار ما كاينش ديك لا تيت ما كاينش يبا دي زيليمون كي سون فيزيك ما كاينش ميكانيك ما كاينش لو برو يلا شنو لي زافونتاج لي زافونتاج هاك تمام ما كاينش لو برو ها انا فونتاج اخر شير ما كاينش خوج ديال شي كي عطى لي ريزولتا سي لو طون بون بان اون بو لوفرير با كوم لوت وي مسيو Oui, Othman, bravo Othman. Aucun rotation, aucun vibration, aucun bruit. Il y a beaucoup de les avantages. Exactement. Bravo Fatima, oui, Zid. Car il n'y a pas une mémoire mécanique. Il y a une mémoire flash. Zid. Consommation d'énergie électrique plus faible, c'est-à-dire oui. L'ordinateur qui se range. Oui, Zid. Je vous dis que l'autre qui est en train de faire, l'autre qui est en train Il ne tombe pas en train facilement. Ça veut dire la solidité. Elle est solide, là. Oui, ne subit pas facilement à du choc. يعني واخا يكون لي شوك بحال بالك لو اس بي طاحت لك ما كيوقع لها والو لاحظتوها وي ياك ولا لا وي اكزاكتومون alors c'est un avantage très très important ياك oui Les derniers SSD, oui, ce sont quand des barres de RAM, les nouveaux SSD. Exactement. La forme de l'homme de l'imparam. Ah, exactement. Tout à fait.
Monsieur, mais elle consomme plus d'watts que l'autre, je pense. Elle consomme quoi? Monsieur, l'watt, qui est cool, bizarre, elle a l'air. L'énergie. L'énergie. Oui. Allez. Le Blex, il consomme. Je pense qu'il est 3.9 ou la matière 10 watts ou la chore. Qui consomme la chore, mais je pense à ça qui est cool, que ça. Qui consomme كثر ممكن ممكن واش تاخذي انت تاخذي اس دي دي ولا تاخذي اس دي دي ماشي كنعرف نخدم في اس دي دي كثر وانا بحال بحال ما كاينش ديفيرونس في الخدمه وي ماشي غير الاخر كيزيني في كاينه كاينه ان ديفيرونس ميسيو سي لو طون ديكزيكوسيون اي لو بلو رابيد وي Oui. On est, on fait un homme sur la hausse, donc il nous répond à nos besoins. Voilà. Alors, est-ce qu'on est goulé de l'inconvénient? Le coût, réel. Exactement, Brahim, bravo. Monsieur, c'est un espace stockage. Malo. لا ستوكاج كيبقى نفسه يعني يقدر 100 جيجا انتيرا لا تقدر تبقى شحال ما بغيتي خاصك الفلوس وي فوالا سي غير كيسيون دارجون وي كيسيون دارجون اللي كتحكم في الاستوكاج الوغ دابا الوغ دابا اريت 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 الوغ دابا ان طون كو فو فو ايت انفورماتيسيان جا عندكم كيلكان اي فو ا دوموندي دابا اون اي داكور قال لكم الله يخليكم اشنو ناخذ بروسيسور اشنو قلنا بروسيسور شنو مزيان شكون مزيان انت ولا ام دي انت زوين انت ام دي 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 راه فيه هذوك الشوكات الا تعوجات غير وحده مشى لك كامل دابا لا حتى واحد غادي بيرسون نو بارل سون اوتوريزاسيون ديالي اوكي اون فو دالي با فو بارطاجي انتر فو Regardez, rapport qualité-prix Intel. D'accord, il y a des versions AMD qui sont très très bonnes, mais chères. Ok, des versions qui sont très bonnes Intel, mais chères à Intel. Mais si pour des cas particuliers, des utilisateurs normaux, comme nous par exemple, rapport qualité-prix, c'est Intel. Alors, les RAM, et là, si quelqu'un qui va venir vous demander conseil maintenant pour la RAM, alors, on a vu qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil. C'est bon. Alors maintenant, c'est pour le disque dur. Quelqu'un qui est venu vous voir, il vous a demandé qu'est-ce que je dois prendre comme disque dur. Est-ce que je prends un HDD ou un SSD? Qu'est-ce monsieur, que vous allez répondre? Monsieur Rangoulou, il a l'argent. C'est un SSD. Mais il n'y a pas HDD. Oui, quelqu'un d'autre? Brahim? قول لي على حسب ليتيليزاسيون ديالك للبي سي اها الا كنتي كتيليزي دي بروغرام اللي هما كيخصهم واحد فيتاس ديال ليكتور اللي هي كبيره خص خذ لك اس اس دي برافو سي بون ريبونس برافو مسيو وي وي سي بزي الا كاين اللي دخلنا الكونتي ديال لا فيتاس وحتى الكاليتي باش تخدم لي لوجيسي وداك الشيء حتى الكونتي ديال الجامعة شوف ديك ساعات الرام بزاف واش اكثر كيشوفوا كارت جرافيك يعني خرجنا الكونتي ديال الرام الكارت جرافيك راه كتجيب الرام عندها دابا كاين ديك كارت جرافيك دابا اللي عندهم الرام ديالهم كتجيب الرام ديالهم ولكن سي ديبو على لوتيزاسيون الا كنتي كتستعمل فوتوشوب ولا ادوب بروميوم ديال ديزاين ديال الجرافيك ديك الساعه غتمشي في كارت جرافيك بون كاليتي وهذا ولكن كلكان كي عنده ان بيرو وكي ترافاي غير البيروتيك الوورد واكسل ودي زابليكاسيون ديال الخدمه مثلا عاديين الوغ بوركو يل باشتي اون كارت جرافيك يقدر ياخذ كارت جرافيك انتيغري في لا كارت مير سي با لا بين دانفيزير لا كارت جرافيك ولكن الا عنده لي جو كيلعب في لي جو ولا عنده كما قلت لكم داكشي ديال لي جورنو اللي كيصايبوا لي جورنو اللي كيصايبوا لي كيستعملوا فوتوشوب وهذا دون سو كا وي il va aller voir une carte graphique و maintenant il y a des cartes graphiques qui sont très puissantes اللي عندهم كما قلت ميموار ديالهم انت كي فيان افيك لو رام ديالهم
Alors, pour continuer, fait disque dur. Alors, c'est une bonne réponse tout à l'heure. Anna, j'ajoute, si, à part les applications, les applications rapides, alors vous allez utiliser SSD. Si vous voulez faire du stockage des données, il y a besoin des données, ou être stocké avec les vidéos, avec les données, les documents, besoin. Alors là, vous allez utiliser, vous allez acheter un HDD. Les défis de stockage de données. Alors, pour le traitement, pour le travail quotidien, et vous voulez de la vitesse, SSD. Si vous voulez stocker les données, alors c'est HDD. Ça fait ça peine. Tout le monde a compris à deux points dedans. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, finalement, ça n'est pas. Non, ça fait c'est bon. Non. Alors, on a pour résumer, regardez, on a pour résumer l'architecture, le schéma d'architecture d'un ordinateur. Regardez le process, je vous ai fait le process. Je n'ai pas de l'UAD. Je n'ai pas de l'UAD. L'UC ou l'UAL? UAL. 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 Mémoire centrale. UAL. UAL. Le stock des éléments, faire la mémoire, faire le disque dur. Ok, une périphérique d'entrée. Ça fait une. Qui est le clavier qui est la souris, lecture des DVD ou le CD. Qui est une périphérique d'entrée-sortie, bien sûr. Elle arrête d'entrée. Elle est entrée-sortie. Et le disque dur, parce que entrée-sortie, ça veut dire qu'on peut. Elle est entrée-sortie parce qu'on peut lire. Maintenant, les données et écrire, lire et écrire. On peut lire maintenant les données et on peut écrire sur les données. Clé USB, la même chose à UTM. Carte très utile. Quand ça atteint les informations, on peut avoir maintenant l'information et on peut envoyer sur l'information. Un écran, imprimante et carte son, ce sont des éléments de sortie. Ça veut bien être comme vous avez de l'architecture à dire. Il faut, mais Adi, Adi, oui, résume tout, Adi. Oui, monsieur. Monsieur.